Comme ça. Oh non, ça va être chiant. Coucou tout le monde, donc là je vous retrouve un petit peu beaucoup plus tard que la dernière fois où je vous ai filmé. Donc là je suis arrivée à Port Macquarie. Donc c'est une ville dans le New South Wales, donc c'est pas très très loin de Sydney, enfin c'est entre Sydney et Brisbane. Bref, voilà, tout ça pour dire que je suis ici du coup pour la nuit, donc je reste qu'une nuit. Et du coup je suis encore dans un hostel, donc je vous fais encore un hostel room tour pour la énième fois. Mais celui-là il est plutôt pas mal, donc il y a 6 lits. Et en fait il est super calme parce que comme c'est une toute petite ville, il y a que des gens de passage qui viennent, enfin ils restent pas vraiment vu que c'est à mi-chemin entre Sydney et Brisbane. Souvent ils s'arrêtent là la nuit puis après ils conduisent jusqu'à Brisbane ou Sydney. Donc en fait c'est un lieu de passage, il n'y a pas grand monde mais c'est sympa. Non franchement j'aime beaucoup cet hostel, il y a une piscine, il y a des hamacs et tout, enfin t'es trop posé, c'est trop bien. Donc voilà. Vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle journée. Je suis trop en forme là, j'ai trop la pêche. Je vous retrouve pour une nouvelle journée. Donc nous sommes le mercredi 15 mai 2019. Oui. Et il est 8h15 exactement. Donc c'est parfait. Comme hier, j'ai trop géré. J'ai dit qu'il fallait que je parte à 8h15. Il est 8h15. Même pas, je crois il est 8h. Moi c'est ça, il est 8h14. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est un petit peu éblouissant le soleil. Là, le programme, ben, conduite encore, hein. comme tous les jours, j'ai envie de dire. Oh, je suis contente, j'ai réussi à. J'avais cassé mes lunettes et je les ai recollées. Voilà, bref, on s'en fiche. Programme donc, aujourd'hui je vais à Gold Coast. J'ai 5h30 de route. Donc en fait, c'est comme hier. Je pense que je vais arriver vers 4h, 4h30 si je conduis bien. Mais je pense que je vais partir un peu plus tard parce que j'ai très envie d'aller au Kuala Hospital. Donc c'est l'hôpital des koalas qui est gratuit et qui est pas loin d'ici. Donc j'ai envie de faire ça rapidement avant de partir. Donc voilà, je pense que je partirai vers 9h. C'est pas trop tard. Et ouais, j'ai vraiment vraiment envie d'aller voir ça parce que j'adore les koalas, c'est trop choupinou. Et voilà, donc je vais vous emmener voir ça.
Vous allez bien? Je vous retrouve avec une tête de très fatiguée, je suis désolée. Du coup, là, je suis arrivée à Gold Coast, donc c'est à côté de Brisbane. Enfin, voilà, c'est vers Brisbane. Voilà, je suis arrivée il y a un peu plus. Il y a assez longtemps maintenant, mais je vous ai pas trop filmé parce qu'il y avait du monde, machin. Du coup, je suis encore dans un nouvel hostel, donc encore hostel room tour, même si ça se ressemble par rapport à tous les autres hostels. Voilà, donc ça c'est une chambre de 6, non 8, je crois que c'est 8, ouais c'est ça. Voilà, et contrairement à tous les autres hostels que j'ai pu faire, celui-là il est super top. Enfin, déjà, genre, il y a un restaurant dedans, après il y a un bar, enfin il y a un endroit tout pour se réunir. Et puis les gens sont trop sympas. Genre, déjà, j'ai parlé avec tous les gens de ma chambre. J'ai sympathisé avec tous les gens de ma chambre, alors que dans les autres hostels, c'était chacun dans son coin, personne ne se parlait. Et là, tout le monde est super sympa, tout le monde se parle entre eux et c'est ça que j'adore. C'est pour ça que j'adore les hostels. Enfin, il y a des inconvénients aussi, mais c'est aussi pour ça, c'est pour rencontrer des gens. Et vraiment, c'est clairement genre ce que j'adore dans les hostels, c'est que tu rencontres des gens et tout. Donc c'est vraiment cool, ouais, non, je suis contente. Je suis très crevée aussi hein, parce que voilà, j'ai conduit toute la journée. Hier aussi, j'ai conduit toute la journée. Donc là, 12 heures de route dans les pattes, ça commence à faire lourd, mais bon, je suis bientôt à la fin là. Il me reste plus que deux étapes. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, il me reste plus que Brisbane. Après, j'aurai une nuit à passer à Rockhampton et ensuite j'arriverai enfin à Airlie Beach. Après 2 semaines de route, c'est loin quand même. Mais ouais, on y croit là. On est bientôt à la fin, donc je suis contente. Bon, là, je vais aller me doucher et je vais aller me coucher, je pense. Demain, j'ai envie d'aller à Brisbane pour visiter un petit peu, donc je pense que je vais vous emmener avec moi pour voir tout ça. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve demain pour le vlog. Ciao!